Bonsoir à tous, merci d'être là pour un sujet passionnant. Euh, je pense que ça ne vous a pas échappé. Depuis quelques mois, on entend parler de ci, de là, enfin, sauf si vous étiez parti sur la planète Mars, de... on entend parler de ces métaverses, ces NFT, euh, bref, tout ce Web3 qui arrive. Euh Bon, de vous à moi, on est peut-être un peu paumé par cette histoire. <laughs> on en entend parler beaucoup, les experts se contredisent un peu. Euh, moi, ça me rappelle personnellement un peu les années 1992. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas encore nés. C'était les prémices du web, tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'ai l'impression de voir à peu près la même chose. On a. Enfin, j'ai envie de ce qu'on se donne un objectif avec mes deux invités du jour, c'est que vous puissiez repartir dans vos entreprises avec une vision plus claire de ce que sont les métaverses, les NFT, ce Web3 qui arrive. Ça tombe plutôt bien, puisqu'à mes côtés, j'ai deux personnes passionnées et passionnantes qui connaissent bien la musique. Donc, le challenge, ça va être qu'il puisse nous l'expliquer très clairement. Deux invités aujourd'hui. Sandrine Decord, elle est présidente et elle a fondé une entreprise qui s'appelle ArtCare, qui est spécialisée dans les NFT et les artistes. On va parler de tout ça avec elle. Et puis, deuxième invité, alors lui qui est, qui est plongé dans les métaverses, mais depuis. 1998, c'est ça, je crois quelque chose. Pour la première expérience. <laughs> tu nous en parleras tout à l'heure. Il s'appelle Laurent Chrétien. C'est le, le directeur général chez Laval Virtual. On n'est pas très loin d'ici. Il a monté un événement fabuleux et c'est un spécialiste de tous les nouveaux usages euh, des technologies qu'on appelle immersives. Ouais, vous savez, ces mondes virtuels. Il nous parlera sûrement de, de ce métaverse d'aujourd'hui et puis du futur euh, que l'on va avoir. Je compte sur vous tous pour participer. Je vois qu'Alexandra a déjà levé la main là-bas pour poser une question. Elle est avec nous. Là, on pourra lui passer un, un micro. Euh, pour démarrer, j'ai demandé à, à nos deux invités de se mettre un peu en mode pitch, euh, de façon à ce que, de façon extrêmement synthétique, ils nous expliquent l'un et l'autre ce que sont les métaverses et les NFT. Je vais ouvrir le micro d'abord à Laurent. Je vais te demander laurent à as Allez. 180 secondes, c'est sympa, ça fait à peine trois minutes, pour nous expliquer de façon extrêmement claire, et on fera voter juste après nos invités, euh, qu'est-ce que c'est le métaverse ou les métaverses Alors, déjà, je dirais le métaverse. Métaverse, métavers, donc contraction évidemment de, de méta-univers. Donc il n'y en a qu'un Il n'y en a qu'un. Voilà, ouais. bah, tu me bouffes du temps. Hein. Oui. Euh, <laughs> on est. Euh... <laughs> donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un, un univers synthétique qui va. Augmenter notre monde physique. Je parle au futur, puisque je considère que le métavers n'est pas encore advenu. Tout le monde en parle, mais il n'est pas encore advenu. Et donc, comme je le disais, le métavers il y en aura qu'un. En fait, c'est le futur du web. C'est au lieu de aujourd'hui de, de lire ou d'écrire ou de regarder des, des médias sur le web, demain vous allez vivre dans le web. Et, euh, et, et du coup. Euh, dans le benchmark qu'on a aujourd'hui, il y a déjà 250 éditeurs de, 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 de plateformes, éditeurs de mondes virtuels, hein, puisque ce qu'on voit aujourd'hui euh, poindre comme étant le futur métavers, ce sont les mondes virtuels euh, et qui sont, euh, euh, voilà, accessibles. Hein, certains sont privés, d'autres ouverts, etc. Et euh, commence à, à, à développer une économie qui va permettre au NFT de se, mmh. de, se, de se développer. Et du coup, je peux passer la parole. Mais il a voilà. fait vachement fort parce qu'il n'a fait que 90 secondes. <laughs> Merci. Alors, moi, ça me laisse un petit peu. Donc, si j'ai bien compris, mais pour, et si je me suis trompé, tu nous le dis, ce que j'ai bien compris, c'est qu'il y avait des plateformes, des univers virtuels, mais au-dessus, c'est métavers. Le métavers. Englobant le tout ça. Thomas, le... En fait, grâce à Internet, okay. on va pouvoir se balader. De monde virtuel en monde virtuel, de galaxie, si on considère qu'un éditeur va, va générer une galaxie de, mm -hmm. de, de planètes, on va se balader euh, comme ça, de, de, de planète en planète, par Internet. Donc voilà. les éditeurs, c'est ceux qui nous font des applis, des sites web, etc. Le métavers, c'est finalement le nouveau web. Exactement. Okay. Sandrine, de ton côté, euh, NFT, les jetons non fongibles, ces titres de propriété numérique, tu as 180 secondes pour pitcher. Alors. Le NFT, ça a vraiment été un buzzword 2021, un mot qui a explosé parce que les valorisations des œuvres d'art utilisant la technologie NFT ont complètement explosé. Le marché a atteint, au niveau des œuvres d'art digitales NFTisées, le marché a atteint 20 milliards de dollars en 2021. Donc il y a eu énormément de relais presse et relais médias, et tous vous avez déjà entendu ce mot. Mais derrière la technologie du NFT, je dirais qu'il y a beaucoup plus. Que des applications dans le domaine de l'art. Donc, dans le domaine de l'art, les applications, le NFT est une technologie d'inscription sur la blockchain avec un smart contract qui permet de prouver l'authenticité et l'unicité de quelque chose de digital. Donc, vous avez tous entendu parler notamment du, du premier tweet qui a été mis aux enchères. Comment on a pu vendre aux enchères ce premier tweet avec grâce à son certificat d'authenticité oui. euh, qui était le nft, adossé à cette image digitale qui a été du coup retirée euh, retiré, euh, de l'univers digital, il faut dire que avant l'invention de la technologie nft, qui est une des applications de la blockchain en 2017, c'est une technologie relativement euh, récente, euh, on ne pouvait pas avoir Quelque chose d'unique et d'exclusif sous un, une, une forme digitale. On a tous copié-collé des images à Tire-Larigot. C'est moche. Euh, on a tous enregistré de la musique. On a tous transmis des fichiers sans se préoccuper de qui était l'émetteur et le créateur de ce fichier et surtout sans se préoccuper s'il y avait des droits afférents à cette forme digitale. Donc le NFT, c'est ce qui permet de gérer les droits, notamment de propriété intellectuelle, euh, d'objets digitaux. Et on voit apparaître aussi depuis un an, un an et demi, les NFT qui sont des digital twins. Euh, donc, c'est des, des jumeaux numériques. C'est des jumeaux ça numériques ouais, ouais. d'objets physiques, notamment dans le luxe, dans l'industrie de la montre, mmh. où les montres sont numérotées. Mais le fait d'y accoler un digital twin, c'est-à-dire un NFT, à ces objets de luxe, permet d'inscrire sur le registre ouvert de la blockchain l'existence de ce produit et donc quand on achète et on revend ce produit de luxe très haut de gamme, on transfère le NFT. Donc le NFT, c'est le droit de propriété, c'est le certificat d'authenticité et c'est aussi ce qui peut donner accès à des droits notamment dans les communautés spécifiques. Mmh. Et donc ce qu'on pense qui est visible aujourd'hui, c'est que c'est ça va être la base technologie pour permettre les échanges et les transferts dans le nouveau monde que sont le métaverse okay. et qui il y a énormément d'échanges et de transferts de valeurs qui sont créés et régis par les NFT aujourd'hui. Ça va, vous suivez encore, tout va bien. Euh, C'est bon. Alors, je voudrais qu'on prenne la question d'Alexandra, qui est là-bas, qui avait levé la main tout à l'heure. Euh, elle est passée où, Alexandra Vous la voyez Si vous pouvez lui passer le micro. Merci beaucoup. Alexandra, tu peux te lever, comme ça, on, on va pouvoir euh, te, te voir. Merci. Allez. Oui. Bon. Micro. oui, bonjour. Joe, je, je, je pose la question d'Alexandra parce qu'elle a un petit peu mal à la gorge. Euh, <laughs> c'est coup... J'appelle un ami, merci. C'est un, un avatar en fait. C est, c est un avatar. Vous évoquez euh, le monde de l'art, euh, le luxe. On sait que c'est déjà aussi dans le domaine de l'immobilier. Est-ce que vous pensez que ça pourra euh, concerner euh, les produits de consommation courante Alors je pense qu'il y a une très très grande application euh, de la technologie NFT, du NFT. Euh, sur la traçabilité pour les produits de consommation courante, euh, on sait très bien aujourd'hui que les, les labels tels que le Made in France euh, sont jamais très, très réalistes puisque en fonction, le Made in France est euh, autorisé euh, si l'assemblage du produit se fait en France. Dans l'alimentaire la, et l'agroalimentaire, la traçabilité des matières premières utilisées euh, dans les produits transformés c'est extrêmement complexe. Donc une des solutions technologiques qu'apporte cette technologie, c'est justement la traçabilité euh, des éléments faisant partie d'un autre produit, d'un nouveau produit. Et ça, pour l'instant, c'est pas encore déployé par des grandes marques, euh, mais notamment, on peut citer Carrefour qui a euh, développé sa propre blockchain grâce à justement euh, la blockchain euh, d'IBM de, de, et qui utilise le NFT pour la traçabilité. De ces produits. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, dans l'art, euh, il y a un artiste qui s'appelle Murat Park, qui en 2021, en fait, a fait la plus grosse vente euh, de NFT au niveau mondial, supérieure au fameux Beeple, euh, en notamment vendant des petits droits de NFT, des petites images de NFT individuelles, et à un moment, en décidant de faire the merge, c'est-à-dire de pouvoir merger plusieurs Totalité. NFT pour reformer un nouveau NFT. Et là, on est sur la démonstration technique, et on a été sur la démonstration technique qu'il était possible de NFTiser des éléments pour créer quelque chose, en fait, euh, qui aurait les propriétés des premiers NFT initiaux et qui recréerait un autre NFT encapsulant les NFT des, des, des premiers... Euh, premiers euh, euh, éléments digitaux. Et donc là, vous voyez, les applications sont extrêmement vastes, vastes notamment euh, le jour où on utilisera euh, son iPhone pour savoir euh, quels sont les métaux rares à l'intérieur que je peux revendre, etc., quand je le bascule sur le second marché. Euh, on a énormément d'applications qu'on peut imaginer aujourd'hui qui, qui vont prendre du temps à mettre en place, parce qu'en fait, on est face à des industries très importantes, très grosses, qui n'ont pas forcément... Intérêt à avoir une transparence énorme de leur chaîne. Ok, bon alors déjà, on voit que c'est assez compliqué. Hein des questions sont. Alors, Laurent, je voudrais que tu répondes ouais. à cette question. Juste un, un, un complément qui. Euh, pour préciser que le, le, les mondes virtuels sont en fait des, des, des espaces, des lieux. Ce pas des lieux physiques. Tangible, mais ce sont des lieux euh, quand même, c'est-à-dire des lieux dans lesquels on va se déplacer. Et du coup, en, en complément de la traçabilité NFT, etc., euh, imaginez que demain on puisse aller faire ses courses total ou partiel dans un supermarché qui serait euh, totalement dans un monde virtuel est tout à fait envisageable. Aujourd'hui, euh, c'est compliqué euh, et les technologies ne sont pas encore suffisamment matures pour pouvoir intégrer des objets 3D qu'on va pouvoir manipuler, mettre dans son panier, etc. etc. mais ça, ça viendra, euh, ça viendra dans, les, dans les années qui viennent, c'est sûr. OK, alors euh, Yelena avait une question à poser. Est-ce qu'on peut lui passer le micro Ensuite, je vois plusieurs mains qui se lèvent. On y va. Merci, Hélène. Euh, oui, moi, c'était. J'ai pas très bien compris l'histoire le... du tweet euh, qui avait été payé, en fait. Si vous pouviez euh, expliquer. Allez. Euh, donc, c'est en fait, Jack Dorsey, c'est ça. C'est Premier tweet du patron de Twitter. Voilà. Ça ouais. euh, quand il a mis en ligne l'application Twitter, en fait, il a émis le premier tweet. Et donc, c'est ce premier tweet qui a été repartagé plein de fois, euh, encore et encore, et qui était disponible sur. Le web dans l'environnement de Twitter, dans, au sein de l'application Twitter, n'avait pas de valeur en propre jusqu'à présent. Ce qu'a fait Jack Dorsey, c'est qu'en fait, il a extrait ce tweet de la plateforme Twitter publique, il l'a NFTisé et il l'a mis en vente aux enchères. Et la mise en vente aux enchères a donné une valeur à ce tweet, en fait, et surtout a permis d'inscrire sur la blockchain le fait que ce tweet qui a été retiré. De l'internet. Donc, quand vous voyez ce tweet sur internet, c'est des copies du Twitter, c'est des copies de l'image, c'est des copies, puisque vous savez que sur internet, tout est bout de code, en fait, tout est code. C'est des copies du code euh, de ce premier Twitter. Et en fait, ce qu'il a mis en vente, c'est le contrat qui permet aux porteurs du NFT de ce Twitter d'utiliser, de réutiliser ce Twitter. Et par exemple, peut-être, et ça, ça dépend de ce qui a été mis dans le smart contract qui est public, mais je ne suis pas allé l'ouvrir et le décrypter. Est-ce que, par exemple, le porteur du NFT de ce premier Twitter peut raconter des histoires, produire des films, produire des bandes dessinées, écrire un livre, euh, recréer des objets 3D à, pro, à partir de ce, de ce premier tweet, en faire un slogan marketing, par exemple. Et là, on touche à la propriété intellectuelle. Donc, ce qu'a fait Jack Dorsey, c'est qu'il a confié, il a transmis, il a vendu la propriété intellectuelle de ce premier tweet au porteur à l'acheteur du NFT de ce premier tweet. Et on, on, il faut voir dans le smart contract pour voir quels sont les droits afférents. Ok, donc c'est vraiment un contrat dans lequel il y a plein de choses qui peuvent être écrites, voilà. et c'est quand on l'achète, on sait ce qu'il y a, et c'est non répudiable, c'est certifié par une communauté d'ordinateurs. Exactement. Donc, Exactement. On, on peut toujours, donc finalement, je comprends le, le NFT qui est un titre de propriété finalement a presque plus de valeur que le bien en question, c'est ça Oui. Et euh, on, on, vous connaissez tous les fameux singes, les Board Ape Yacht Club. Et les Board Ape Yacht Club. Qu'est-ce que c'est <laughs> Ces fameux singes en fait, qui ont défrayé la chronique en 2021, certains ah oui. atteignant euh, des prix de revente euh, à euh, 15 millions de dollars, jusqu'à 20 millions de dollars pour une image digitale avec un singe. Mais ce n'est pas seul, exclusivement l'image digitale. C'est surtout les droits de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que la collection des Board Ape Yacht Club une collection à très forte notoriété. Celui qui possède un NFT de cette collection à 9999 éléments a le droit, par exemple, de l'imprimer sur des t-shirts et de vendre les t-shirts, ou par exemple de développer un jeu dans un métaverse et de générer du revenu lié à la participation de ce jeu dans le métaverse. C'est-à-dire qu'à partir de la propriété d'un NFT composant la collection, les droits d'exploitation commerciale sont transférées. Et ça, c'est propre à la collection Bordel du Club. Quand on sait les valeurs d'achat et de revente des propriétés intellectuelles, notamment, par exemple, euh, du film Star Wars pour décliner des figurines, mmh. des jeux vidéo et autres, on se dit que finalement, bah, la notoriété, en fait, est telle de ces fameux singes. Peut-être que ce peut n'est pas des survalorisations parce qu'il y a le droit d'exploitation. Et donc il y a des gens euh, qui ont acheté un board Bio Club et qui ont ouvert un restaurant aux États-Unis. Mm. C'est une forme de nouvelle franchise peut-être ou de nou nouvelle licence. Et personnellement, je pense que la société qui est à l'origine de la création des Borda Bio Club, qui a racheté de nouvelles collections, est pour moi le Walt Disney du 21e siècle. Et il y a de fortes chances qu'elle investisse énormément, et je crois que qu'elle le fait déjà, mmh. dans ses les propres métaverses ou dans les métaverses d'autres plateformes. Laurent, c'est parti là-dessus, les investissements. Alors, le, le, moi, pour le coup, on est plutôt euh, très orienté euh, B2B à, à, à ouais. la valve virtuelle et dans la société que, que nous créons qui s'appelle Comodal, qui est société spécialisée dans l'exploitation de, de, de mondes virtuels pour des événements, pour de la formation, pour de l'immobilier, etc. etc. Euh, donc, du coup, on ne voit pas passer. Trop de NFT pour l'instant, même si on commence à avoir des opérations dans des, dans des mondes virtuels du type des Centraland ou, ou, ou Sandbox, parce que les clients nous les, nous les demandent. Mais je dirais qu'il y a trois typologies hein, de, de, de monde virtuel. Vous avez les, les, les typologies de, de générateurs de générateur soi-même hein, de, de contenu, c'est-à-dire qu'on va, c'est un peu comme un CMS, vous avez un, un outil qui va vous permettre de générer vous-même votre environnement virtuel. Okay vous avez une deuxième catégorie qui sont les mondes euh, Doté de la blockchain, ouais. euh, donc les, les décentralandes, les sandbox, etc., où, où là vous allez acheter des terrains, où vous allez pouvoir y, y exploiter votre terrain, construire des choses dessus, euh, voilà, et puis les revendre. C'est de la, ça, de de la un spéculation. Peu comme, un peu comme, comme Second Life il y a, il y a euh, ouais, ouais. 20, ou, 20 ans. Ouais, <laughs> ou même, ou même, ou même euh, le deuxième monde de Canal, euh, qui avait été créé en ouais. ouais, C'est ça. Okay. Donc, et puis ça la, la troisième ça, ouais. typologie de monde, c'est des mondes dits fermés, donc des mondes qui sont. Plus sécurisés pour les entreprises et qui sont ceux que globalement nous utilisons. Donc, des, il y a des éditeurs américains, on a un éditeur français qui s'appelle TeamU qui, qui est très bien et Virtway aussi en, en Espagne qui fonctionne qui fonctionne bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y avait une question. Il y a Lionel qui m'a envoyé un. Je ne sais pas où il est, Lionel. Il est là. Si vous pouvez lui passer le micro. Il est juste là, lève-toi. Le mieux, c'est vous vous lever parce que ça va aider nos amis qui doivent vous passer un micro propre à venir vite vers vous. Euh, Lionel, tu avais une question. Oui, bonjour. Euh, on parle de NFT, on parle de Web3, euh, on parle de transactions à plusieurs millions de dollars. On parlait, euh, via la question derrière, de, de pouvoir échanger des, des, des biens moins luxueux que tout ça. Euh, on parle beaucoup de blockchain aussi ça m'amène moi directement à la question de la sécurité derrière est-ce qu'on peut dire que l'avènement du web 3 de la blockchain et donc sa composante NFT c'est le futur de la sécurité informatique puisqu'on sait que la sécurité informatique c'est le nerf de la guerre de, du web d'aujourd'hui certainement du web de demain et, et c'est quoi les impacts de cette sécurité ou cette non sécurité sur tout ce que vous racontez, les échanges les propriétés intellectuelles etc Sandrine, d'abord, Laurent ouais. après, c'est ça Oui. Alors, Alors la, la sécurité de la blockchain est basée sur la validation des transactions qui se fait par énormément d'ordinateurs avec des gens derrière qui valident des transactions. Et l'invention de la blockchain qui a commencé en fait et des systèmes, des protocoles de la blockchain qui a commencé en 2009, c'est assez passionnant parce qu'en fait le premier truc qui sont dit on, on va créer avec cette nouvelle technologie, c'est quand même de la monnaie pour s'échanger une pizza. Euh, mais ce qu'on entend par de la monnaie, en fait, la base de, du système monétaire, de tout système monétaire, de toute monnaie, c'est la confiance. Par exemple, quand on a des dollars, c'est qu'on a confiance dans l'économie régalienne euh, américaine. Euh, des euros, c'est qu'on a confiance dans l'économie euh, européenne et dans, justement, la Banque Centrale Européenne. Tout ce qui crée. La masse monétaire et des nouvelles monnaies, les fameuses crypto-monnaies sur la blockchain, est basée sur une confiance qu'on a dans la qualité de la transaction. Et ce qu'on dit de la blockchain, c'est très intéressant. C'est la blockchain, c'est trust without trust, c'est-à-dire, puisque c'est des ordinateurs qui permettent de valider les transactions, les échanges entre deux parties, et que c'est de nombreux ordinateurs, hein, donc il faut cumuler les calculs pour valider mmh. la transaction. Il n'y a pas de facteur humain dans la transaction qui est exécuté par des ordinateurs. Et puisqu'il y a de nombreux ordinateurs décentralisés qui exécutent cette transaction, forcément, on, ces ordinateurs ne sont ni à câble, on ne peut pas les faire tomber. On ne peut pas rentrer comme un intrus dans un système puisque ce n'est pas décentralisé. Et là, on revient un peu sur... Mais là, des ça veut dire qu'on donne les clés aux ordinateurs, là Qu'ils deviennent en fait, fous, on fait quoi Mais en fait, euh, les protocoles de la blockchain sont des protocoles qui sont propres aussi. Euh, à la réflexion philosophique de l'installation de la démocratie et qui fait qu'on ne cherche pas à avoir 100% de validation sur une transaction mais il y a des espèces d'algorithmes en fait qui permettent d'avoir une transaction sécurisée. Donc vous avez tous entendu parler par exemple de des transactions Bitcoin qui coûtent très cher en gas fees et en énergie qui sont énergivores et des transactions sur la blockchain Ethereum qui sont très coûteuses en gas fees. Les gas fees en fait, c'est comment on rémunère les ordinateurs et les personnes qui gèrent les ordinateurs pour valider les transactions. En revanche, donc faire des transactions sur la blockchain Bitcoin et la blockchain Ethereum aujourd'hui c'est très coûteux en électricité parce qu'il y a beaucoup, mais en revanche c'est extrêmement sécurisé. Et depuis deux ans en fait, ce qu'on appelle d'autres nouvelles blockchains moins énergivores, moins coûteuses aussi en ressources informatiques et donc en énergie, se sont déployées, mais elles sont aussi un petit peu moins sécurisé donc en fonction du type de transaction que vous voulez faire et de projet notamment par exemple si on on, gêne, on, on, on organise un conseil d'administration d'une boîte du CAC 40 euh, dans le métaverse, on va bien sûr s'assurer que les votes qui seront assortis justement de NFT qui peuvent très hacké, bien quoi. correspondre à des, à des droits de vote seront extrêmement sécurisés infalsifiables et donc on va choisir une blockchain coûteuse en énergie mais très très sécurisée Allez, Laurent, euh, alors, on parlait sécurité. Ouais. On, a, on a tous entendu parler de, de trucs qui se sont passés dans, des, dans ces dans des différents univers qui ne sont pas forcément folichons hein, de, de, de sécurité, de gens qui viennent vous taper, vous machin, etc. Mm. Euh, C'est quoi les enjeux de sécurité dans le métaverse Dans le métaverse, la blockchain ne résoudra pas tout parce qu'on va pas tout. Euh, crypté, hein euh, mais euh, dans les mondes virtuels euh, qu'on qu utilise d'ores et déjà, euh, évidemment, vous, il y, y a pas mal de de, de de sujets qui sont liés au comportement des avatars en fait, hein, et, au, et à et à l'incarnation. Effectivement, vous avez des, des mondes sur lesquels euh, bah, votre votre corps virtuel, le corps de votre avatar, euh, n'est pas n'a pas de n'a pas de résistance. Donc vous pouvez passer au travers. Ce qui peut donner l'impression à certains qui se font violer. Et c'est ouais. vrai que la première fois qu'on a un avatar qui vous traverse, bah, ça fait un peu bizarre. Ça t'est arrivé, ça Oui, ça m'est arrivé. Tu t'es fait traverser par oui, un avatar. Et puis j'ai traversé sans le faire exprès, bien sûr. Et, mais mais, ouais. euh, mais -ce on, on s'y fait. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a traversé <laughs> bah, De la surprise, enfin, c'est avant tout de la surprise. Oui, c est... C est... <laughs> Et on se pose la question de qui est cette personne. Ouais. Mais, mais euh, c'est euh, juste des codes qui diffèrent. En fait, il ne faut pas avoir peur d'aller vers, vers ces environnements. Je pense qu'ils vont tous débarquer extrêmement vite. Euh, vous avez peut-être déjà fait l'expérimentation. On, on a fait déjà plus de 300 événements hein, dans, dans, des, dans des mondes virtuels sur différentes plateformes des tailles d'événements euh, petits euh, ou très grands. Euh, et, et on se rend compte que, euh, si on revient sur la question de la, de la sécurité, se posent des questions très proches de celles de la vraie vie. Euh, comment, euh, comment je m'assure que je n'ai pas de personnes qui, dans mon événement, vont faire... Euh, du grabuge, vont euh, euh, taguer des choses, vont euh, déranger des speakers. Euh, là, on a, on a des règles de bienséance personne ne va monter sur scène. Bon, bah, Les premières fois qu'on a fait des événements, il y a des gens qui sont venus monter sur scène alors qu'il y avait des speakers. Bah, ça ne se fait pas et ça se, ça se régule. Par l'humain, il y a des modérateurs, des médiateurs qui, qui, qui s'en occupent. Vous avez des, des, des vrais trolls, des gens qui viennent et qui parlent, qui parlent très fort. Voilà. Donc ça aussi, on les, on les contrôle. Puis vous avez des sujets d'usurpation de, d'identité aussi. Ouais. On a fait une, un événement pour l'Assemblée la, pour le, le, générale du, du Congrès des... Des experts comptables, donc c'était hyper, hyper, sensible. Euh, bah on a pris toutes les mesures, mais comme un service d'ordre, hein. euh, c'est de l'humain derrière euh, pour faire en sorte que la personne soit clairement, euh, clairement protégée d'un risque d'usurpation et qu'on vienne pas lui, lui foutre en l'air sa campagne. On t'a pas encore demandé ton compte CPF dans un, dans... non, je vois les mains qui se lèvent, euh... donc le... oui, après, après Stéphane, vas-y ta question. Bonjour, merci. Euh, moi, je vais revenir un petit peu en arrière, désolé, sur, sur, sur l'échange. Le, sur euh, je voulais savoir justement, euh, quand on parle d'authenticité, de certificats de propriété, de grosses transactions, quand même, monétaires, finalement, hein, dans le monde physique, euh, quel pourrait être l'impact, finalement, euh, je pense notamment euh, sur les notaires et par extension sur les sociétés de services d'intermédiation, pourquoi pas les agences immobilières, par exemple Une Alors, bonne nouvelle pour eux, en fait euh, je sais pas. <laughs> euh, en tout cas, enfin, euh, je, je suis pas un notaire, mais pour en avoir parlé avec ma notaire, euh, c'est déjà un sujet qui est en cours chez eux. Hein. Euh, et il y a, je crois, déjà des pays dont le cadastre est, est sur la blockchain et euh, les transactions euh, sont euh, sont euh, tracées, quoi. Hein. Et donc, il y aura toujours, en fait, des notaires qui n'auront pas envie de, de s'emparer de cette nouvelle technologie. Euh à leur moment, et puis qui resteront dans l'Ancien Monde, mmh. et d'autres notaires qui auront envie d'utiliser cette technologie pour faire avancer leur métier. Mmh. Euh, et ça, c'est dans tous les secteurs. Et, euh, je pense que vous travaillez tous dans l'univers digital. Vous êtes probablement tous passionnés et vous savez très bien que ben il y a des industries qui se transforment tardivement et d'autres qui sont beaucoup plus early adopteurs et qui vont très très vite. En fait. C'est vrai qu'on a vu hein, d'ailleurs pendant le confinement le retard à l'allumage d'un sacré nombre de commerçants qui n'avaient pas de site internet en fait. Moi j'avoue que j'ai découvert ça. Je voudrais passer le micro à Stéphane qui a levé la main depuis tout à l'heure et qui commence à avoir un bras hyper musclé. <laughs> Stéphane, c'est à toi. Je trépine d'impatience. <laughs> merci. merci. Euh, oui, plusieurs, plusieurs questions. Première question le droit de propriété, est-ce qu'il est réellement reconnu par le cadre légal Aujourd'hui, on dit qu'un NFT est un droit de propriété, mais on le dit entre, finalement entre spécialistes. Est-ce que. Demain il y a un problème. Hein. Vous dites ah ben moi je suis propriétaire de tel euh, mmh. je sais pas quoi NFT et je vous dis bah ben non c'est moi. Euh, on part chez, devant un tribunal. Est-ce que ce fameux NFT est bien reconnu comme un acte de propriété D'abord alors réponse oui ou non déjà. Oui. Après, après on va argumenter. Oui oui, oui c'est reconnu. C'est reconnu. Je vais okay. vous expliquer pourquoi parce que c'est taxé. Donc la plus value ah. sur la revente <laughs> du NFT est passible de l'impôt. C'est en discussion, mais il bah faut arrive. le déclarer. Mmh. Donc c'est bien sûr que la droit de propriété, puisqu'on ne peut revendre et réaliser une plus-value que si on détient le titre de propriété. Et donc comme la plus-value est taxée par la donc organis de les organis les donc, donc, des organismes supplémentaires, donc fiscaux de tous les mondes, on Super. est sûr que le droit de propriété est il y a donc déjà une bien. jurisprudence sur le sujet. Ben, jurisprudence, je pense que euh, en fait la possession du nft c'est la possession du wallet qui enregistre le nft donc c'est sur des registres publics puisque c'est inscrit sur la blockchain. après, on peut se faire hacker. Son portefeuille, comme on peut se faire voler l'intérieur de son portefeuille ou de son compte bancaire. C'est-à-dire que si on perd les accès sécurisés à son wallet, ou qu'on les partage, ou qu'on les garde sur son smartphone qui est hyper hackable, et que quelqu'un vient récupérer les fameux 12 ou 24 mots-clés, eh ben on peut se faire vider son, son wallet, son portefeuille. Et donc, il y a des sociétés, d'ailleurs, comme Ledger, par exemple, dont le métier, c'est la sécurité, justement, des comptes sur la blockchain. Okay. Merci. Deuxième, Merci. Deuxième question. Ah ouais, j'en profite, il est gourmand. Oui, j'en profite et j'en ai une troisième d'ailleurs. Oh deuxième non. question. On a vu le, avec le Web 2 finalement apparaître des, des grosses, grosses, grosses problématiques autour de l'utilisation de, de nos données personnelles. Est-ce que grâce au NFT, on pourrait se réapproprier l'utilisation que font certaines marques de, ces, de nos données personnelles Alors, je vais peut-être répondre sur l'aspect avatar euh, qui va porter finalement euh, euh, votre comportement au sein des, des, des mondes virtuels. D'ailleurs, je, je fais juste une aparté parce que je n'ai pas tout à fait fini la définition tout à l'heure. Le, 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 le métavers adviendra dans quelques temps. Je pense que ça sera d'ici trois, quatre ans, euh, à partir du moment où les mondes virtuels seront interopérables, où votre avatar pourra ou vos avatars pourront se balader d'un monde à de en monde euh, de façon euh, libre. Et du coup, pour se balader de, de, de monde en monde, faut forcément cette interopérabilité. Et du coup, se pose la question de c'est quoi le set de données euh, que je transporte avec moi Comment je, je me protège des, des lieux sur lesquels je vais, je vais aller euh, C'est pour ça que je, je, moi, je crois profondément que... Euh, euh, nous devons tous agir pour faire en sorte que le métavers qui va advenir soit un métavers dans lequel euh, on n'amplifie pas ce qu'on vit aujourd'hui avec la, la data. Mmh. Je vais peut-être choquer certains parmi vous, hein, mais euh, avec l'accumulation de, de, de données qui vous est finalement euh, pompée ou que vous décidez vous-même de, de, de donner à des gens qui la, qui la revendent derrière. J'ose espérer que dans le métavers, ça ne sera pas le cas parce que sinon, on se rapproche de systèmes dictatoriaux mmh. euh, qu'on connaît d'ores et déjà dans d'autres pays du monde. Donc tu veux dire qu'on en est finalement au début euh, sur ces métavers et ça serait vraiment sympa que dès maintenant on, on tire un peu des enseignements de ce qu'on a appris avec le web traditionnel, le web 2 on va dire Oui, c'est ça. Et, ouais. et, et, et tu, comme tu disais, on n'en est vraiment qu'au début. C'est-à-dire tout à l'heure tu disais que le, le début du web c'était 92-93. On est exactement à ce moment-là. Sauf que... C'était il y a 30 ans. Quand même. Ouais, ouais. Sauf que qu'il mmh. y a 30 ans, aujourd'hui, on doit avoir à peu près 1,7 milliard ou 1,8 milliard de, de sites Internet euh, existants. Euh, moi, je suis intimement convaincu que la courbe va être encore plus violente et va être beaucoup plus. C'est-à-dire que ce qu'il faut se dire, c'est que demain, euh, vos sites Internet ou nos sites Internet de façon globale vont progressivement migrer vers des espaces dans des mondes virtuels. Espace total où, où vous serez même peut-être propriétaire de votre propre monde virtuel avec ses propres codes, peut-être sa, sa propre... Euh, NFT, sa, pr ouais. sa propre monnaie, etc. Et en fait, ce qu'apporte. Euh, alors, il y, y a la corrélation de plusieurs facteurs qui, euh, d'après moi, va accélérer ce mouvement autour de la data. Euh, je pense que tous les États, euh, tous les organismes qui régulent justement l'usage de ces data, euh, ont mis en place des réglementations. Alors, quand les réglementations sont sorties il y a 5 ou 6 ans, tout le monde se disait, tous les marketeurs et les grandes plateformes se disaient, pop, pop, ils n'arriveront jamais à comprendre comment impliquer. Euh, ces réglementations et tu pourtant popop j'ai bien aimé pop -pop -pop. <laughs> on l'a bon tous fait moi hein. j'étais marketeuse à l'époque Je... on l'a <laughs> tous <rire> fait on n'aura jamais de contrôle sauf que euh, dès le décret d'application la semaine d'après en fait la fameuse CNIL française mm -hmm. euh, faisait des, des business cases <laughs> sur les amendes et allait chercher des des, gros, des, des acteurs importants ce qu'on peut se dire en fait sur justement si on imagine un système qui permet de NFTiser la donnée qu'on produit, dont on est propriétaire. Et justement, il y a un sujet sur on est propriétaire de quelles données. Est-ce que quand je navigue dans un site comme Facebook, je suis propriétaire de la donnée que je produis Comme pour se loguer sur Facebook, on, on se met une décharge comme quoi tout ce qu'on produit sur Facebook est la propriété de Facebook, en fait, bah d'entrée, on dit qu'on vend sa production gracieusement à Facebook. Pour avoir, tu on donne, tu en donnes, en fait. tu on ne donne. ouais. pas. Hum. En revanche, ce qui serait possible et la technologie du NFT pourrait le permettre, les, les, les technos sont pas encore prêtes, c'est qu'on pourrait très bien dire qu'on NFTise les données principales qu'on produit dans un environnement, dans un métaverse ou sur une plateforme web et que quand cette donnée est utilisée hum. par notamment Facebook en termes publicitaires ou le métaverse dans lequel on se trouve, on touche une partie des royalties et du revenu Généré par la pub faite sur ces données. Et là, ça change complètement la donne parce qu'aujourd'hui, Meta fait des annonces, notamment sur Instagram et sur Facebook, en disant ben, on va lancer des campagnes de NFT. Les, les créateurs de contenu de qualité vont pouvoir NFTiser leur contenu et on partage 50-50 le revenu. Sauf que, en fait, dans toute la culture de la blockchain, de la décentralisation, un partage à 50-50 sur la création. C'est complètement loufoque. Alors tiens, c'est intéressant. C'est quoi le, dans le modèle économique euh, J'entends, toi, toi avec Artcare, tu as, as fondé une plateforme qui permet aux artistes de prendre pied dans ce nouvel euh, écosystème. Globalement, euh, il gagne combien l'artiste et tu prends combien toi Ça dépend. Alors quand on voit des, des grosses. Non mais globalement, bien sûr que ça dépend, mais en vrai. Euh, nous en fait, on est coproducteur. C'est exactement. Oui. On, a, on est vraiment assez proche du modèle dans le cinéma, c'est-à-dire dans la coproduction de cinéma. On monte des équipes ad hoc sur les projets. Et on se répartit parce qu'en fait, un artiste ne fait pas tout. It takes a village to, pour lancer une collection de NFT, et notamment euh, avec des compétences très spécifiques, donc de développeurs sur la blockchain, mais aussi de concepteurs 3D, 2D. Et ça, ça dépend du projet. Si c'est un projet où justement on euh, distribue, diffuse des NFT dans un métaverse, ou alors si on émet une collection d'œuvres d'art dans le métaverse, l'artiste en fait donne sa direction artistique et derrière on est toute une équipe à produire. Et donc ce qui est intéressant avec la technologie du NFT, c'est de se dire bah, en fait on met en place un smart contract initial où on partage les revenus et donc ça donne lieu à une négociation entre qui prend quoi, mais c'est inscrit dans la blockchain. Et tout ce qui est issu de cette collection est euh, euh, exécutera automatiquement en fait la redistribution de la création de valeur euh, origine des royalties. Aujourd'hui, dans tous les marchés qui fonctionnent sur de la propriété intellectuelle, c'est en général assez dur de toucher ces droits seconds et ces droits tiers. Donc les marchés euh, des industries créatives, l'édition, le cinéma, euh, on, peut, on pourrait même aller jusqu'à la publicité. Euh, la musique, en fait, <laughs> sont NFC'ables et c'est les premiers marchés mmh. qui sont en train de basculer, puisque mmh. nous, euh, chez Hardcare, en fait, on accompagne des sociétés de l'univers traditionnel. On bosse pas ouais. qu'avec des gens qui mmh. sont full mmh. Web 3 pour justement savoir comment ils peuvent utiliser cette technologie pour faire des nouveaux projets et rentrer dans ce nouveau monde qui est plein d'espoir, notamment pour une meilleure gestion de la propriété intellectuelle et de droits afférents. Mot de la fin pour chacun d'entre vous. Je vous donne 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes celles et tous ceux qui sont ici, qui rentrent demain dans leur boîte T'as 30 secondes, tu as envie de leur donner quoi comme message, le truc fort le, la... que, euh... Que on peut faire tout ce qu'on veut, que ça va devenir. Donc, il faut s'y préparer devant nos entreprises. C'est quelqu'un a déjà fait une expérience dans un, dans un environnement, enfin dans un monde virtuel. Oui, lever la main. Un événement oui. ou une formation. Ah, ou... ah bah, bah, il y a Pas mal. Quand même. Bon, les autres, il faut s'y okay, mettre. Donc hein. avec avec avatar <laughs> en temps réel. Ouais. Ok. Ouais. Très bien. et eh bien, c'est bien. Je ouais. pense qu'il faut continuer ces expériences parce que c'est la meilleure façon de, de s'approprier les, 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 les codes et d'accumuler de, mmh. des, okay. des dire, de l'acculturation pour vos, pour vos collaborateurs. Euh, voilà pour être Donc prêt dans le les de Le learning by doing. learning by doing. super. Ton mot de la fin, 30 secondes. Euh, pas plus. Je pense qu'il faut tester. C'est comme le web. En fait, tant qu'on n'était pas allé en 95 ou en 98 sur une connexion web, on ne pouvait pas vraiment comprendre et capter. Hum. Et aller au-delà, c'est-à-dire à un moment, euh, moi je vous conseille tous d'essayer de faire un NFT sur OpenSea. Vous prenez une hum. photo et vous la mettez en vente. Donc vous créez votre toilette, Metamask, etc. Et ça, ça vous fera comprendre vraiment ce que, ce que vous faites et ce qui se passe. C'est exactement comme les réseaux sociaux, on ne pouvait pas comprendre tant qu'on n'avait pas créé son ouais. compte Facebook et regarder ce <laughs> qui s'est passé. Ouvrez un compte, vous aurez voilà. une, bonne, une bonne façon de faire. Merci à tous les deux, je crois qu'on peut vraiment les, les applaudir. Merci à tous pour vos questions. Merci. <laughs> Merci. Euh, les conversations continuent. On, on a rendez-vous tous ici, donc vous êtes bien installés. C'est parfait, puisqu'on va faire la conférence de clôture. Euh, donc gardez votre place, c'est super. Vous êtes bien posés et les autres vont devoir être très très loin. Voilà. Merci à vous tous. À tout de suite.